Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands 2. Je me suis éclaté la gorge. Wow. Ça va pas le faire, on va aller récupérer les dernières pièces et franchir les portes et tout ce qu'il y a à faire, mais... Putain, ça fait mal. Et de une, ça c'est fait. Ah, ça doit être un des bons véhicules que je dois buter parce qu'il a un nom. Regardez. Oui. Une caisse de bandits. Presque. Presque. Sans pitié, mais en général, j'aime pas le laisser se faire torturer au-delà du raisonnable. Tu m'étonnes. Donne à papa, c'est bien. Attaché, oui. Apporte le matos ici que je te fasse la totale. Oh, je suis pas sûr que j'ai envie que tu me fasses la totale, mais écoute. Ouais, écoute, Ellie, je connais bien Scooter, c'est un pote à moi, un vrai pote. Et j'ai pas du tout envie que ça ruine notre amitié. Je veux dire, c'est lui qui me répare mes caisses, qui m'aide à détruire les caisses des autres. Voilà ta caisse. On va faire quelques modifications et tu pourras y aller. Ouais. Ouais, merci, ouais. Ouh, j'avais complètement zappé. Waouh, c'est la classe. Merci. Si. Tu peux faire quelque chose pour moi? T'as vu mes bouchons de radiateur sur les bagnoles des Odunk? Je crois qu'ils se foutent de ma gueule, mais leur design est canon. Tu pourrais pas leur démolir quelques caisses et me rapporter leurs bouchons? Si. Si, je vais le faire de suite, tiens, avec le nouveau véhicule que tu m'as offert. Bah, écrase-moi. Et pour l'instant, c'est moi qui gagne. Chouette! Tu pourras te numéraliser une caisse de bandits dans n'importe quel autologue de mon frangin. Ah, je sais, c'est déjà fait. Ah, c'est ton frangin, je crois que c'est ton cousin. J'adore ton style. Et dis à Scooter de plus foutre le feu à mes clients. Je sais me défendre. C'est des projectiles, c'est voilà, chiant. Une bagnole de tueur psychopathe. Merci! Retourne au Bloodshot Dam et essaie de klaxonner pour entrer. Attends deux secondes, je... Voilà. Je récupère les pièces pour Ellie, puis après je... Hein? D'accord? Pas de soucis? Ça me rappelle mon arrivée dans la région. Ah bon? J'ai vécu à Sanctuary pendant un petit moment, mais j'avais toujours Moxie sur le dos. Fallait bosser pour elle, mettre du maquillage, perdre des kilos. J'avais besoin qu'elle me lâche, alors je suis partie vivre seule. Et puis j'avais un peu peur que Scooter ait flashé sur moi. Mais... sérieux? C'est presque pas vrai. Mais vous êtes... Ouais, non, c'est vrai qu'il y a Game of Thrones maintenant, je comprends. Autant pour moi. C'est moi qui suis un peu fermé d'esprit pour le coup, là. J'avais complètement zappé que maintenant... S'entrait presque dans la... Ah non, 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 en fait, c'est toujours dans l'illégalité. Autant pour moi. Alors, j'ai entendu que la caravane arrive... Ah, voilà, la caravane arrive. Vous approchez pas de la caravane. Voilà. Arrête-toi. Dévalisez-moi qu'on en finisse. Compte sur moi. Oh, c'est que de la merde. Et en plus, je suis toujours plein parce que j'ai toujours pas fait le vide. Il en reste une. La voilà. Regardez, elle est devant là. On dirait en fait, c'est une petite Ellie qui est comme ça. Avec les mains en arrière et plongée vers l'avant. Ouais. Aide-moi à les poser. Si tu veux. Faut que je les pose dans le garage. Ok, j'en ai 6 à poser. Pif, paf, pouf. Ok, celui-là, je veux pas. Mais bon, je vais devoir le voir tout le temps. Non plus. Et plus qu'un. Bref, j'ai du mal à... Explosion, vol, déco intérieur, journée palpitante. Ok. Ok, c'est reparti en klaxon. Salut les copains, c'est Bobby. Bobby Kaski. De l'autre, ouvrez la porte pendant que je recontacte Hyperion. Ouais. Non, vous savez que vous pouvez regarder... Putain, ça valait bien le coup. Qui c'est qui conduit, tout simplement? Ah! Putain, du coup, j'ai complètement oublié les guns que j'avais. Ok, ça fait des cric-cric explosifs. Ok. Mon shotgun, vous me ferez plus jamais chier. Sale gueule! Non, je veux pas le rencontrer, sale gueule, il doit pas être très beau! S'il vous plaît! Oh putain! Il se cache, c'est bien. Il a tout à fait raison de se cacher. Par contre, il a des gens sur son bouclier. Merde! Et c'est joyeux d'abord! Fais gaffe, ils ont une brutasse! Je vais partir,
Je peux les tuer, vous voyez? Non. J'en veux un tout pareil. Ah ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, il a plus de nabo. Aïe. Oups. Comment ça se fait que ça a pété? Ah, d'accord. Je saurais m'en souvenir. Pourquoi cet air si sérieux? Ok, ça c'est pour moi. Ça aussi? Ça aussi? Ça aussi? Ça je peux pas parce que j'ai... Ah oui, j'ai pas vendu. J'ai toujours pas vendu. Il serait peut-être temps que je me mette à vendre les choses. Enfin bref. Allez. Hop. L'œil de la vérité voit tout. L'œil de la vérité sait tout. Oui. Je te vois. I see dead peoples. Allez. Nouvelle région. On va s'infiltrer. On a déjà essayé une fois. Ça a pas trop marché. On a un peu réveillé tout le monde. D'accord. Ok. J'avais complètement zappé cet endroit. Mais maintenant je m'en souviens. Ça y est. T'as réussi. Génial. Roland doit être quelque part par là. Je suis sûre que tout va bien se passer, mais s'il arrive malheur à Roland, débrouille-toi pour que Roland n'ait rien. D'accord. Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que c'est la voix française d'Amy Farrah Fowler dans The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Theory, theory, theory. C'est oui ou non, hein. Ok. Ce serait toi, je resterai pas là-bas. Un de plus. J'ai vu Maraudeur. Un autre. Tu t'en sors avec les sans-pitié? Ils essayent de faire la peau à Roland depuis qu'il les a virés de Sanctuary. Oh. C'était gros comme une maison. Ah bon, à ce point-là. Ok, je l'ai eu. On évite le slag. Si. Oui. Cher Roland, j'ai remarqué l'air de rien que vos ennemis, les... Oh, sur le scalp. Non. Des armes de malade. Ah, oh, les heures de... Sur lui. Tu t'es entendu, mais genre... Ah, je veux pas grand... vos hommes avec les munitions de haute qualité de je vais te charcuter. Et les sans-pitié. Eh, viens par là, ton enfant! Mais bon! Bon raisonnement! Continue à moi, j'arrive! C'est une pub personnalisée, c'est cool! Moi aussi, j'aimerais bien avoir la mienne un jour! Faites-moi dans les commentaires le message de votre pub personnalisée! Que ce con rigole un coup quand même! Je resterai pas là! Oh! Oh, je m'en sors plutôt bien. Je l'ai eu ou pas? Oui, non. Qui grenade? Regarde leur tête, Slago. Regarde-les bien. Ok, je l'ai eu. Mon matos. Bientôt, on en a. Faut s'en servir. Ce serait bête de ne pas les utiliser. Ils sont rigolotes à utiliser, je trouve. Okay, visuellement, ça craque. Merde. Hyperion ferait tout pour avoir Roland. S'il ne marchande pas avec les sans-pitié, il vient le rechercher en personne. Traîne pas en route. Ah, pourquoi je continue à brûler? Hop là. Oh, ils sont nombreux, hein. Allez voir une brutasse quelque part parce que je prends vraiment cher. Ou alors tout simplement. Je vais mourir, mais c'est pas grave, on s'en sort. Je suis prêt. Faut nous laisser tranquille. Le problème en fait c'est que il y a un léger délai entre le moment. Entre le moment où je tire et le moment où ça vraiment fait l'effet. À la limite, celui-là serait mieux. C'est peut-être pour ça que j'avais abandonné cette arme dans mon...
dans ma première game, entre guillemets. Non, je l'ai équipé, quel con. Ok. C'est pas bon. C'est pas comme ça. Comment qu'on fait le trou? Bon bah, en tout cas, j'ai fait le trou. En tout cas, je lui ai même refait le trou, je dirais. Bonjour. T'es suspendu. Ah là là. Rechargez lui. Quoi? Il sentira encore meilleur. Ok. Ça va chier. J'ai donné. Je regrette. Ok. Il y avait une échelle ici. Allez. Allez. Tu te fous de ma gueule. Ils ont tous eu le temps de descendre. Ah, je suis en train d'essayer de voir comment ça se trigger le coup de corps à corps que j'avais déjà. Saloperie de mercenaire. Ok. Cadeau. Mais lol. Comment il a fait? Pour te tuer, tu veux dire? Bah avec beaucoup de style. Et beaucoup de décès en attendant. Et très peu de points de vie. Tout simplement. Je vais l'exploser. Pourquoi c'est pas... Aïe. Je vais te buter. Vos yeux sont menteurs. L'illusion vous trompe tous. Je vais vous avoir. Grenade! Casse-toi avec tes grenades! J'ai complètement zappé que le rayon des grenades était à ce point gigantesque. Hop là. Il y en a encore un derrière. Où es-tu? Arrête! Ils sont chiants. Génial. Furtivité. Hop les. Oh la gueule qu'il a le pompe. C'est joli hein. C'est ça que j'aimerais bien avoir, c'est de pouvoir peindre les armes. Et apparemment ça va être possible. Je pense que ça va être possible parce qu'il y a des skins bizarrement. Des skins qui sont disponibles. Ah bah voilà, parfait, j'ai réussi. Nice. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Wouh! Murdering Plasma Cutter. Ok, why not? Ok, c'est parti, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Hop là. Ah.
je disparais, tel un fantôme dans la brume. Toujours l'arme au poing. Adversaire de pacotille. Hop là. Ah, c'est ça qui est chiant, vous voyez, c'est... espèce de... Merde, j'aurais vraiment pas dû. Adieu. Butez-le! Butez-le! Gagné! On a un autre! Wouhou! Ce second souffle! Allez, viens par là qu'on en finisse! Hop les! Il y a encore des gens qui me tirent dessus, hein, mais je crois que c'est par derrière. Et ils savent que j'aime ça. Hop les! J'adore ce gun. Continue. Cette merde de nous piquer Roland. C'est notre seule chance pour obtenir la récompense. Il y en a encore un en vie. Hein. Non mais lol. Je bute sur le cadavre. Normalement il est dans une de ses cellules, non? Aïe. Il est dans une des cellules. Et normalement quand je vais ouvrir une cellule. Salut. Chasseur de l'arche, ça fait plaisir de te voir en chair et en os. Dis donc, c'est sans pitié, tu les as pas loupés. Ah ah. Laisse-moi deux secondes. Le mec il agresse physiquement une machine quand même hein. Pourquoi tu dis... J'avais oublié le coup de la pelleteuse. Ouais. Ok, ça c'est fait. Bon, on n'a plus qu'à sortir d'ici. Chasseur de l'arche, arrête ce truc, Groot. C'est très bien que je peux pas. Bon, j'arrive. Saleté. Le pot de Jack n'accepte pas de négocier. Ça faisait un bail, Roland. Soldat, par ici. Attends, faut que j'arrive à monter, voilà. Pour chercher le buton. Saleté, fous-moi la paix. Deux secondes, hein. Prends tout ton temps, j'arrive. Pas pourquoi je l'ai pris, mais... Alors, de mémoire, faut prendre sur ces trucs-là. J'ai besoin d'aide. Ouais, ouais, t'inquiète, j'arrive. Oh, salopard. Il l'emmène tout en haut du barrage. Vas-y, vite. Oui, oui. Oui, je... j'arrive. Normalement tout est ouvert. Non. Voilà. Y'a que des grenades là-dedans. Ah, y'a ça aussi. C'est bon. Zapper pistol. Ouais. Là je serais plus intérêt d'avoir des armes. Bon, j'en ai pas. Corrosives, vu qu'on va aller sur les machines d'Hyperion. C'est parti. Et parce qu'on est des fifous. Oui. On peut pas. Et c'est bon. Salut! J'entends plus proche là. Ah. Où es-tu? Hop là. Oh. Deux secondes, je recharge. Connard. C'est vraiment trop drôle. Tu as déclenché mon piège. La mort va frapper. Ça m'étonne. Ah, je l'ai pas eu à temps. Oh. Voilà. J'avais oublié qu'ils rampaient ces robots-là. Hop là. De l'iridium, cool. Changement de zone, peut-être un vendeur dans le coin, ça serait cool.